Bonjour et bienvenue à tous dans cette 7ème vidéo pour Horizon dans laquelle je vais lancer un raid sur Tchral. Tous les autres vaisseaux sont bien des ordres, pas de soucis, cette corvette là elle sert vraiment d'éclaireur, on y va. Voilà, donc là on va engager le combat. Bon, les corvettes vont aller en première ligne pour absorber les tirs de missiles. Allez, descend le chat. Là, il y a combat. Je vais essayer de dézoomer un peu, ça m'évitera de faire des allers-retours sans arrêt. Ça, c'est une corvette aussi. C'est une de mes corvettes qui a été détruite, là, j'ai pas saisi. Qu'est-ce que c'est ce vaisseau là? C'est un éclaireur, allez on va le bousiller, voilà. Et on va envoyer les missiles sur la suivante. Hop là, erreur de pilotage. On va bombarder un peu la population au passage. Puisqu'à mon avis, mes croiseurs légers seront suffisants pour flinguer le... Je suis hors de portée de mes canons laser. Ah, c'est pas bien ça. Non, 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 non. N'y pense même pas. Bon. Voilà. Problème. C'est les missiles. Donc, il y a de grandes chances que je subisse quand même des pertes. On voit les chasseurs en première ligne. Très bien, mes chasseurs se prennent les tirs de missiles, donc ça c'est parfait. Donc je vais utiliser mes corvettes pour... un peu trop loin. On va rapprocher celle-ci. Alors elle, je veux qu'elle arrête d'avancer. Voilà. Allez, on va faire demi-tour. Qu'on ne va pas affronter la totalité de la puissance de feu de la planète avec cette petite flotte, enfin sans avoir de bombardier. Allez. Donc
là je fais reculer tout le monde. Je peux faire retraite en masse, hein. Donc là, normalement, ils doivent fuir tout seuls. C'est bon. Nous avons retiré. Très bien. Mais on a détruit le hangar à vaisseaux, un éclaireur et 64 millions de population. Par contre, on n'a pas détruit la base de missiles. Elle était trop difficile à détruire. Donc, des éclaireurs construits sur Terre et ma flotte attend de nouveaux ordres. Donc, la flotte, on va la replier. Voilà. On a d'autres éclaireurs, donc ils vont venir là. Quand on aura fini cette vague de bombardiers. On attaquera Ozari. Donc j'ai un éclaireur qui est arrivé, une flotte qui est arrivée. Donc la flotte elle est là, très bien, et l'éclaireur il est là. Il va venir voir par ici. Non, il y a déjà quelqu'un qui est là. Donc il va monter là-haut. Voilà. Donc là je commence à avoir pas mal de sous. C'est 30 milliards pour améliorer l'industrie. Pareil ici. J'ai deux labos de recherche qui sont terminés, ça c'est excellent. J'ai des bombardiers construits à Centura. J'en ai d'autres qui se construisent. Ouais, j'en ai d'autres qui se construisent. Voyons voir où sont mes relations avec les autres races. J'ai un croiseur léger qui arrive à destination. Frégate, bombardier, croiseur. Ah, corvette, donc là j'ai une deuxième petite flotte là qui est en train de se faire, c'est très bien. Là on va venir rajouter une corvette ici. Donc là on a beaucoup d'éclaireurs, on va les dispatcher. D'accord, là il y a une flotte Kamzak. Qui est en train de faire un blocus à Ozari. Donc on va se concentrer sur Tchral. Il serait peut-être intéressant de préparer un transporteur de troupes. Je l'avais déjà fait, hein. Ouais. Il n'y a pas besoin d'un canon laser normal, ça lui sert à rien. Les capsules de troupes, ça pèse 20. Donc si je lui enlève ses canons, je peux en mettre un autre. Et il n'a plus d'armes. Voilà. Donc là j'ai un vaisseau sans aucune arme, mais avec des troupes. Donc, on va faire ça. Et après les bombardiers, on prévoira ça. Pour envahir Tchral. Donc les bombardiers devront détruire les bases de missiles. Ils veulent me proposer une alliance. Oui, j'accepte. Voilà, une nouvelle alliance. Donc, voyons voir. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 vaisseaux. Donc la prochaine attaque aura pour but de détruire les défenses de... Bon, j'ai perdu mon éclaireur, mais c'est pas grave. Fusion, très bien. Dégomme tous mes éclaireurs. Bon tour. On va m'attendre 3 tours pour avoir un nouveau bombardier. Encore un éclaireur sur Terre. Voilà. Les Barsig, on a de mauvaises relations. Mieux qu'à une époque.
Ils veulent pas que. D'accord. Si on va leur offrir 5% de mes revenus. Hein. Alors j'ai combien de revenus au total, mes revenus planétaires? 7,68 milliards, donc 5%. Ouais, ça fait moins d'un milliard, hein. Ça fait nettement moins d'un milliard, donc on va leur donner. Allez, je veux. Allez, on continue d'en faire. On fait 100. Voilà. Donc là, on va gagner nettement moins. Donc le tribut que l'on envoie, c'est 365 millions. Là, on a fini un transport. Encore 2 tours avant que toutes mes flottes arrivent. Donc là, je vais perdre mes éclaireurs. Ou pas, on a survécu, très bien. Donc, j'ai une flotte qui est arrivée. Et des bombardiers construits amiral. Donc on va continuer d'en faire des bombardiers. Voilà. Je m'assure que toutes mes planètes aient encore des constructions en cours. On va refaire quelques éclaireurs sur Terre. Donc ici, on va rassembler tout ça. Donc voilà, on a 9 vaisseaux. Donc c'est pas mal, hein, surtout qu'on a des bombardiers. 1, 2, 3 bombardiers. On a 2 vaisseaux-mères, donc ça va taper bien bien fort. On a bien 2 vaisseaux-mères, rassurez-moi. Ouais, un là et un là. Donc on va rassembler tout le monde ici. Manipulation génétique, une flotte est arrivée à destination, des éclaireurs construits sur Terre, des transporteurs construits à Centura. On va continuer d'en faire. Là, on va finir le bombardier, après on fera d'autres transporteurs. On a des éclaireurs qui sont construits. Voilà, on va bien les noyer d'éclaireurs. Donc, je demande le système aux Ari en échange de la paix. Non. Bah, tant pis pour eux. Donc là, tout le monde est arrivé. Donc voilà, on a une autre flotte qui est là. Donc on y va. Deux tours pour tout le monde, très bien. Donc là, on a commencé à avoir pas mal de transporteurs. Donc on va les envoyer. 7 tours. Donc c'est-à-dire que je vais bombarder la planète. Pas ravager la population, juste détruire les lance-missiles. Et ensuite tenter l'invasion. Donc voilà. Ça sera le tour d'après, donc je vais pas me lancer dans une bataille à 17 minutes de vidéo, je le ferai dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette partie de Horizon.